nom de Jésus. On a vécu des mariages où le cadeau de mariage, il y a des excréments humains qu'on a mis dedans. Les excréments humains, il y a des gens qui ont mis dans ce mariage-là. Il y a des choses vraiment spirituelles. Alors, moi et l'homme de Dieu, nous avons accepté tout ce qui est comme condition et pour que nos enfants soient bénis. Aujourd'hui, le temps est arrivé pour qu'ils soient bénis. Mais je prie que nos deux familles, que ce soit côté de François, côté de notre sœur Antoinette, il faut que vous soyez aussi unis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La famille de François et d'Antoinette, est-ce que vous êtes là? 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 Est-ce que vous acceptez de bénir ce mariage? Non, je vais attendre votre amen. Je vais attendre votre amen. Est-ce que vous acceptez de bénir ce mariage? Est-ce que vous acceptez de bénir ce mariage? Alors le Seigneur prend hâte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur prend hâte. Alors, personne ne maîtrise son derrière. C'est ce qu'on appelle les fondements spirituels. Dans toute famille, pour tout échange qui se fait, il y a non seulement l'aspect spirituel, mais il y a l'aspect ténébreux. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur la vie de François et d'Antoinette. Soyez féconds dans le nom de Jésus-Christ. Que vous ayez des enfants au nom de Jésus de Nazareth. Oui, le mariage, on appelle ça la zone de turbulence. Lors du mariage, quand tu prends l'avion, que l'avion décolle, arrivé un moment, ça rentre dans une zone de turbulence. La plupart de tous les mariages que je vois, après le mariage, soit on renvoie monsieur, on renvoie madame de son travail, ou après le mariage, il y a des choses bizarres qui se font. À l'instant où je parle, je déclare que toute personne qui a préparé une bombe, que l'armée du ciel descende au nom de Jésus-Christ et combatte ses armées au nom de Jésus. Je prophétise maintenant et je déclare toute force spirituelle, tout lien de sorcellerie qui va vouloir se lever contre ce mariage, que ce lien soit brisé. Je n'ai toute force de sorcellerie qui va se lever contre ce mariage, que tout soit brisé. Je prophétise sur toi, François. Tu sais là où on est quitté. Tu sais là où on est quitté. Ça fait près de 17 ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de m'élever. Je déclare que cette onction tombe sur toi aussi dans le nom de Jésus-Christ. Que cette onction tombe sur toi aussi dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise sur ma fille Antoinette. Tu m'as aimé. Tu m'as respecté. Tu es venu, nous avons fait des guerres spirituelles ensemble. Je déclare sur ta vie, toute personne qui va vouloir goupiller ton mariage, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Je dis que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Allez-y et soyez la joie de vos parents. Allez-y et soyez la joie de vos autorités spirituelles. Allez-y et qu'on vous distingue dans le monde spirituel. Parce que le mariage représente le Seigneur Jésus et l'épouse. Alors je déclare, quelles que soient les forces des ténèbres qui vont vouloir venir comme un serpent, que la tête du serpent soit écrasée. Je dis que la tête du serpent soit écrasée. Que la tête du serpent soit écrasée. Bien-aimé, il est l'heure. Alléluia. Amen. Je n'ai plus rien à insulter. Je dis qu'il est l'heure. Alors, que le mariage soit honoré de tous. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Amen. Partout où vous irez, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de vos vies. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et tout le monde dit Amen. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai prié, c'est accompli.
aux belles paroles qui vont venir de Monsieur François concernant son épouse. Il a certainement des choses à dire devant l'église, et des églises. Monsieur François, est-ce que tu souhaites prendre pour épouse la sœur Inquiescent Antoinette, ici présente devant toi? Lui, il est le veut. Est-ce que tu souhaites prendre pour époux le frère François pour que vous soyez un? Vous soyez un. Pour que vos âmes s'unissent dans la vision que Dieu vous a donnée. Vos âmes s'unissent dans le but que Dieu vous a donné. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Maintenant, nous allons passer à la pause de l'alliance. D'abord, l'homme va mettre l'alliance dans le doigt de sa femme. Monsieur François, on te regarde maintenant. Le peuple te regarde. Ma précieuse, je te mets cette alliance en signe de mon amour, de ma fidélité, de te respecter, de t'aimer toujours, d'être toujours avec toi dans les difficultés comme dans le bonheur, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Amen. C'est validé. Ok. Voici le micro. C'est Antoinette. Mon diamant, moi. Attendez d'avoir compris le diamant, moi. Attendez. Mon diamant, moi. Je porte cette alliance tout en priant le Seigneur de me donner. De te respecter dans ce monde où la femme se réclame être l'égale de l'homme. De me donner, de t'être soumise, de me donner, d'être cette compagne dont Dieu a toujours voulu pour toi. De me donner également de pouvoir être cette femme dont Proverbe 31 parle. De rester toujours ensemble, d'être amis, d'être ton époux, d'être toi ton épouse, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.
Je vais demander aux hommes de Dieu de se tenir debout là où vous êtes, à votre place. Le peuple de Dieu se tenir debout, ce n'est pas un souci. Les hommes de Dieu se tenir debout, tendez vos mains plus vers ce couple-là, pour que l'ensemble puisse les bénir. Afin que la grâce de Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils font, que Dieu soit avec eux. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour ce couple que tu as bien voulu honorer. Nous t'honorons notre Dieu, car c'est toi qui as dit que le mariage soit honoré de tous. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer cette parole que tu as déclarée. Que maintenant, Seigneur, étant unis, âme pour âme, chair pour chair, tu puisses maintenant bénir les unions. Que rien ne rentre au milieu d'eux. Que personne ne soit au milieu d'eux. Qu'aucun lien soit au milieu d'eux. Aucune personne ne rentre au milieu d'eux. Seigneur, c'est l'ordonnigramme que tu as donné. Tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Alors aujourd'hui, les âmes s'attachent, les corps s'attachent, l'esprit s'attache afin d'être maintenant un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que maintenant, Seigneur, ils se ressemblent. Qu'ils se ressemblent maintenant dans la façon de parler. Dans la pensée, dans la vision, que maintenant François soit l'époux d'Antoinette et qu'Antoinette soit l'épouse de François. Qu'il soit un maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Nous les unissons maintenant, Seigneur Dieu. Nous décrétons par ta puissance qu'il soit uni devant toi. Par le ton sang que tu as versé, afin que Père Seigneur, tu les donnes maintenant cette liberté d'être dans tes héritiers et tes héritiers. Que toutes les grâces que tu as disposées pour eux soient maintenant les partages. Au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus, qui possède des montagnes, Seigneur, qui possède le pays. Qui possède l'environnement, qui possède partout où ils vont. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour ta puissance. Merci Saint-Esprit parce que tu les unis. Merci Saint-Esprit parce qu'ils sont en communion et ils sont en communion avec toi. Merci Saint-Esprit parce que tu te révèles à eux davantage, Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta grâce dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, on dit ensemble Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci aux hommes de Dieu qui sont présents. Merci au peuple de Dieu également. Veuillez aider le couple François à se célébrer. L'union. Donc faites face au peuple. C'est les bons. Je vais vous présenter. Aujourd'hui, le couple François pour François. Acclamez le Seigneur pour le couple pour François. De façon officielle. Voici le couple pour François. Alléluia. Voici la chair de ma chair. Amen. On va les aider à aller s'asseoir rapidement et puis on va passer à la réplique. Oh, on a bien fait la mairie, mais ici là on doit voir. Le bisou, j'allais oublier le bisou. Après j'ai vu la mairie là, donc ça m'a marqué. Voilà, ok, ici là aussi là. Devant le Seigneur là, c'est aussi important. Je ne pas avoir peur de l'humanité là.
Alléluia. Donc on va laisser le temps à M. François. Ils se sont aimés. Aujourd'hui nous célébrons. Amen, amen. Voilà, le jardin est débouché. Et je pense que la séance va passer. Ok, donc, regardez le peuple. Et puis, aidez-le maintenant à descendre. Le plus pour François Kouakou. Acclamez le Seigneur pour vous. Yeah.